Les meilleures activités à Repentigny, top 3 à ne pas manquer. Découvrez les meilleures activités à faire à Repentigny. Que vous soyez résident ou visiteur, ce guide vous présentera le top 3 des activités incontournables de la ville. Des parcs naturels aux galeries d'art, Repentigny a quelque chose à offrir à tout le monde. Ne manquez pas cette vidéo pour planifier votre prochaine aventure à Repentigny. 1. Parc de l'île Lebel. Le parc de l'île Belle, situé en plein cœur de Repentigny, est un véritable havre de paix de 15,7 hectares en bordure du fleuve Saint-Laurent. Ce parc offre une pause bien méritée de la vie urbaine. Vous pouvez profiter du sentier pédestre de 3 km pour pratiquer la marche, la course à pied ou tout simplement pour faire le plein d'énergie. Avec plus de 37 espèces d'oiseaux qui y trouvent refuge, le parc est un endroit privilégié pour les ornithologues que vous souhaitiez faire une escapade de quelques heures ou passer une journée entière, le parc de l'île Belle vous invite à profiter autant de ces espaces verts que de ces événements d'envergure, et ce, à longueur d'année. 2. Centre d'art Diane Dufresne Le Centre d'art Diane Dufresne, situé au cœur de l'espace culturel à Repentigny, est un lieu unique de diffusion, de création et d'éducation en arts visuels et en métiers d'art. Tout au long de l'année, vous pouvez découvrir les grands courants de l'art contemporain à travers une série d'expositions et de nombreux rendez-vous créatifs destinés à tout public. Que vous soyez un amateur d'art ou un artiste en herbe, le Centre d'art Diane Dufresne offre une expérience enrichissante et inspirante. 3. Les sentiers de la Presqu'île. Les sentiers de la Presqu'île est un magnifique espace naturel qui offre une expérience de randonnée exceptionnelle. Les couleurs d'automne y sont à leur apogée. Attirant des centaines de visiteurs pour admirer le spectacle que la nature automnale offre. L'accès aux sentiers est entièrement gratuit pour tous et ils sont ouverts tous les jours entre 9h et 17h. De plus, deux sentiers ont été récemment ouverts pour la randonnée pédestre. De nouveaux tracés ont été réalisés et une signalisation permanente sera implantée au cours des prochaines semaines. C'est un endroit idéal pour ceux qui cherchent à se connecter avec la nature et à profiter de la beauté de l'extérieur. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous envisagez d'acheter ou de vendre une propriété au Québec, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour vous aider dans votre démarche immobilière. Cliquez sur le bouton S'abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos et n'oubliez pas de laisser un j'aime si vous avez trouvé cette vidéo utile. Merci de regarder et à bientôt.